Ah oui, tu vas pire que te spoil, Elrich. Salut, Yoshi, ça vaut quoi? Ok. Waouh. L'entrée est très bien protégée. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Comment vas-tu lever la barrière? Avec l'inclusion d'Atlan Kerk, je pense. Tu te souviens de ce sort? Bien sûr. C'est toi qui me l'as enseigné. Alors, des lettres compromettantes? Des secrets honteux? On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Etar Ligan. Je vais m'en occuper. Oh putain! Vous allez comprendre pourquoi j'y vais, putain. Oh l'encul. L'astre. Allez, approche. Merci infiniment, JK. Je vais rajouter de suite à l'objectif, frérot. Si elle me fait de l'objectif. On dit pas elle est bonne, ça se dit pas frère pour une femme. On ne dit jamais ça à une femme. On dit pas oh, t'es tarpin bonne. Déjà on dit charmante. Elle est charmante. Salut Abdel, ça ou quoi? C'est coquet ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est mesquin, vous ne trouvez pas? Fouiller dans ces papiers comme ça. Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est un portrait de Ciri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs? Ah ah, très drôle. Mort de rire, donc merci infiniment pour ton don de 5€, JK. Avec le petit message, avec ça, tu devrais avoir au moins le carton d'emballage pour la GoPro. Tiens, tiens, merci frérot. Allez. Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. C'est mieux. Avalar est resté sur le bateau. Ou peut-être pas. Arrête. Un distillat, on dirait. De la verveine. Une piste? Non, rien. Oh, tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Ok, c'est vraiment bizarre, mec. J'ai rien reçu du tout, Abdel. Hein. Tu l'as bien envoyé à ce Facebook, frérot? Parce que c'est vraiment très 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 chelou, hein. Mort de rire, bande de salauds. Comment vous parlez d'Yennefer? C'est pas gentil, hein. C'est pas parce qu'elle a un joli tarma. Ouais, c'est quoi? Elle a de belles formes, mon dieu. Yen. L'arbre généalogique des NNKR. La lignée de Laradoran. Le sang ancien. Pas moi. Tu ne m'avais jamais montré la version complète? J'ignorais que Vidmon Daedir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père?
Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara, même les plus obscures. Bon, ça suffit. On ne trouvera rien d'intéressant ici. Qu'en sais-tu ? Je n'ai pas envie de lire ça non plus. Qu'est-ce que c'est ? Que faites-vous ici ? Nous ne vous voulons aucun mal. Il ne manquerait plus que ça. Sortez d'ici immédiatement. Vous ? Je vous ai déjà vu. Tirnalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez Avalar, vous ne le trouverez pas ici. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici ? L'espionner ? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui ? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi ? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple ? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. Mais autant comparer l'eau d'une source à une mare boueuse. J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche ? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir ? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance ! Vous autres elfes pensez vraiment être supérieurs aux humains ? Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi ? Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien y changer. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé d'elle. Chaud. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face ? Avalar compte donc tant pour toi ? Je ne vois vraiment pas le rapport. S'il me haïsse tellement qu'il me laisse tranquille. Ciri. Quoi ? T'as peur que je détruise tout ? Comme à Kaer Morhen ? Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi !
Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici. Oh là là, la taguée. Oh, de rire. Quelle coquine, cette Yennefer. Ben c'est bien, c'est défoulant, tu vois, ils se sont défoulés un petit coup. Elle avait la haine, elle s'est défoulée. C'est rigolo, quoi. Et hop, salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Il faut vraiment retourner au bateau tout de suite. Pourquoi? Tu as mieux à faire? Pas ici, non. Mais sur une Darsfial à Lofoten. J'ai rencontré un jeune homme, Skial, et je voudrais le... Qu'y a-t-il? Ciri, Skial est mort. Oh putain, c'est vrai. La chasse sauvage. Ils ont tué tout le monde? Skial est mort plus tard. Mais tu es sûr que c'était lui? Tu l'as vu? J'étais là, j'ai vu son corps. Tu veux bien me montrer sa tombe? Je voudrais lui dire adieu. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indarsfial? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord? À bientôt. C'est cool ça, merci d'être là, Stunt. C'est quoi qui nous attend, Nestor, en 2016? Tu vas pouvoir te sub? Jetons un œil. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Bien. On va chercher ensemble. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ove. Inge, fille de Trotnir. N'est pas là. Skial n'est pas enterré ici. Geralt, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Merde. Les salauds. Quoi? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. Il y a mon cœur. Bref. Ouais. Bisous, mon amour. Oh, les bâtards. Putain. Ah, c'est hard, putain. Vous avez vu, c'est bizarre, Nestor, il a pas répondu. Comment il va le banquier? Comment vont les comptes? C'est hard ce qu'ils ont fait quand même. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Nous enterrons Skial. Vous enterrez le Veul? Les anciens l'ont interdit. Partez. Quittez ce village. Vous bafouez nos lois. Changez de ton. Sinon il faudra creuser une autre tombe. Comment pouvez-vous le défendre? La place des lâches est dans la fosse commune. Holy shit! Skial vous a sauvé la vie! La chasse sauvage était à mes trousses. Si Skial ne m'avait pas emmené, ils auraient rayé le Lofoten de la carte! Pourquoi les spectres en auraient après une fille comme vous? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe la prendra à ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien,
C'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Ok, Ratch. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skial. Nous avons bien fait de venir. J'étais vraiment troublée. Tu n'imagines pas à quel point. Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. Allons-y. Salut, Phoenix. Bon, tout est bien qui finit bien, entre guillemets, quoi. Je suis 34 ans, Angie. Salut à toi. Retournons au bateau. Des choses au château de Krach. Où tu vas comme ça? Tiens. Voilà. Arrête de parler. Gérald? C'est pas vrai, Ratchet Hunt. Ils n'ont pas tous les cheveux blancs, gros. J'ai trouvé un objet qui t'appartient. Regarde Lambert, par exemple. C'est une sorte de bijou. Ça ne te ressemble pas vraiment. C'est une arme. Une arme? C'est nouveau, ça. Que veux-tu, Gérald? J'ai changé. Il t'arrive de penser au passé, quand tu étais avec la chasse? Parfois. Je m'étonne que nous ayons survécu. Ça ne ressemble pas à Eredin de laisser des témoins derrière lui. Il n'en a pas laissé. J'ai tout oublié lorsque j'ai quitté la chasse. Ah oui, ta fameuse amnésie. Toi, tu n'en as pas souffert? Si, mais brièvement. Les bons soins des mages impériaux m'ont rapidement rendu la mémoire. Tout à fait, Poulpe. C'est exact. Seuls les yeux de chat en commun, ouais. C'est ça. Salut, Gecko. Alors, que souviens-tu du passé avec la chasse? Bon, on va toutes les faire, hein. Quand tu étais aux mains de la chasse, j'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Même si c'était le cas, je n'en garde aucun souvenir. Cette période se résume à une succession d'images floues, sang et flammes, pour se folle à travers les mondes, dans un voile de brume. Mais je me rappelle ton arrivée lorsque tu as troqué ta vie contre la mienne. Je n'ai pas eu l'occasion de t'en remercier. À ma place, tu aurais fait la même chose. Ton assurance me touche. Mais tu ne m'as jamais dit comment tu leur avais échappé. Je n'en sais trop rien moi-même. Il me revient parfois des images de chevauchées entourées de cavaliers pourpres. Et sans transition, je me retrouve au pied de Kaer Morhen. C'est tout. D'accord, c'est très bizarre. Que te voulait Eredin, au juste? La même chose qu'à toi. Tu ne t'en souviens pas? Je ne garde aucun souvenir de cette époque-là. Nous servions d'appât, Gérald. L'un et l'autre. Eredin était sûr que Ciri tenterait de nous sauver, et qu'ainsi, il la capturerait. Heureusement, elle n'est pas tombée dans le panneau. Hors de rien, Nestor. Tu étais l'otage de l'Empereur. Comment es-tu devenu son allié? Un jour, la porte de ma cellule s'est ouverte. Et au lieu du geôlier habituel, j'ai vu entrer Emir. Wow. Il a promis de me relâcher et de me donner accès au trésor impérial, à condition que j'accède à sa demande. Il t'a alors parlé de Ciri et tu as accepté son offre. Pourquoi? Les circonstances créent parfois d'étranges alliances. Je savais qu'il me fallait trouver Ciri avant Eredin. Et s'il existait un homme en mesure de m'y aider, c'était bien l'Empereur. En outre, toute chose égale par ailleurs, c'est son père. Oui. Son père biologique.
Pourquoi ne pas être parti à ma recherche après avoir recouvré ta mémoire et ta liberté? J'ai pensé que tu allais récupérer rapidement et me trouver le premier. Tu avais des mages pour t'aider, alors que moi j'étais seul. Pas tout à fait seul. Et puis je savais que tu avais échappé à la chasse, et Redin ne t'aurait jamais libéré. Il avait effacé ma mémoire, mais comme tu avais filé, il était possible qu'il n'ait pas eu le temps de le faire sur toi. Sans oublier tes mutations de sorceleur, je comptais sur elles pour t'éviter le pire. Il reste un détail qui me chiffonne. Lequel ? Ok. Merci, Ian. À plus tard. Oui, Gérald. Margarita va mieux? Oui, beaucoup mieux. J'ai réussi à accélérer la régénération des tissus endommagés. En fait, je crois que plus tôt nous agirons, mieux ce sera. Si nous n'invoquons pas Eredin très vite, vos magiciennes vont finir par s'entretuer. Eredin ne va pas se douter de quelque chose si nous utilisons la pierre de soleil. Moi, à sa place, je trouverais ça bizarre que les elfes de la Blanche Armada éprouvent un désir soudain de me voir. Nous pouvons modifier le signal émis par la pierre, afin qu'Eredin ne soupçonne pas son origine. Ce n'est pas le seul artefact doté d'un pouvoir de ce type. Quoi? Il y en a d'autres? Tu aurais pu le dire avant. Ça m'aurait évité de parcourir ce qu'est l'Ige de long en large. La pierre de soleil était la plus simple à trouver. Crois-moi. Nous avons visité ton laboratoire. J'espère que vous n'avez rien dérangé. Non. Tu nous avais caché que tu étais la principale source d'informations des NL sur les pouvoirs de Ciri. Je vous ai caché beaucoup de choses, mais tout cela n'a plus d'importance à présent. Des expériences sur le sang ancien, ce n'est pas important peut-être? Ces expériences visaient uniquement à protéger Ciri et la descendance de Lara Doran, quelle qu'elle soit. J'ai rencontré quelqu'un dans ton laboratoire. Vraiment? Oui, une elfe. Et d'après elle, tu détestes Ciri. Ce n'est pas un peu étrange pour son soi-disant protecteur? Pas du tout. Tu ne crois tout de même pas que je vais m'ouvrir à toi? La première fois que tu as vu Ciri, tu l'as emprisonnée. Désormais, tu la protèges, quitte à combattre les tiens. C'est une sacrée volte-face. Premièrement, je ne l'ai jamais emprisonnée. Elle m'a trouvé. C'était son destin. C'est ça, oui. Passons au deuxièmement. Pourquoi l'aides-tu? Parce qu'elle représente un danger, un péril mortel. Tu vois en elle une humaine, ta propre fille même. À mes yeux, elle est le sang ancien. Un pouvoir qui peut détruire le monde, qui doit à tout prix échapper aux griffes avides d'Eredin. Nos motifs diffèrent, je l'admets. Et pourtant, nous partageons un même but. Tu devrais donc me faire confiance, ou au moins essayer. Je vais le faire. Nous avons trouvé la pierre de soleil. Le présent de Gelban Adilian de la Blanche Armada. Une bien triste légende. Elle n'a jamais utilisé la pierre, et ce pauvre Gelban est mort de chagrin. Si seulement Eredin pouvait en faire autant. Tout a l'air prêt, nous pouvons partir. N'oublie pas, une fois la machine lancée, plus de retour en arrière possible. Je suis prêt, il est grand temps d'appareiller. Hundvik nous attend. Allons-y dans ce cas. Moi je sais pas, je sens quand même une part de vérité dans tout ce qu'il dit, tu vois. Je sais pas. À voir. Vous placerez sur les falaises. Là, là et... Merci. Former un cercle, je crois que c'est à notre portée. Même pour les plus aveugles d'entre nous. Je veux juste m'assurer que... Oh,
Geralt, nous t'attendions. Vraiment. J'ai plutôt l'impression que vous avez commencé sans moi. Nous discutions de problèmes de nature magique, sans grand intérêt pour toi. Je vois. Après tout, je ne suis qu'un simple sorceleur. La simplicité a parfois du charme, tu sais. Tu étais sur le point d'expliquer ton plan. Oui, c'est un plan simple. Mais son exécution doit être parfaite. Tout d'abord, j'activerai la pierre de soleil. Si Carantir répond à l'appel, le Naglfar apparaîtra dans la baie peu de temps après. La loge devra alors empêcher le navire de rejoindre le monde des NL, tandis que la flotte impériale bloquera sa fuite par la mer. Pour finir, le 7e régiment d'infanterie d'Imlac, sous le commandement du duc Var Atre, lancera l'abordage, avec ton aide, naturellement. Et toi, que feras-tu pendant ce temps-là? Je me tiendrai en réserve, prêt à réagir si les choses tournent mal. Comme un général qui dirige ses troupes du haut d'une colline. Tu comptes communiquer par signaux de fumée? J'apprécie ton ironie, mais qu'ai-je bien pu faire pour la mériter? T'ai-je donné la moindre raison de douter de moi? Mesdames, messieurs, ne perdons pas notre temps en discussions stériles. Mes sœurs, prenons place sur les falaises. Bonne chance. Putain, j'ai même pas reconnu Triss avec sa tenue. Tu as oublié un élément important, Ciri. Ziréel attendra en sécurité, à bonne distance du Naglfar. Sage décision. Je pensais que toi, au moins, tu me prendrais au sérieux. Je t'ai toujours prise au sérieux. Tu le sais très bien. Contre Eridine, tu n'as pas la moindre chance. Même moi, je ne suis pas certain de pouvoir le vaincre. Reste loin de lui. Ça vaut mieux. Ziréel, jures-tu de rester à terre? Comme si j'avais le choix. Allez. Où vas-tu? Prendre l'air. À moins que ce soit interdit, ça aussi. Tu as peur que je me casse une jambe? Décidément, le sang ancien bouillonne de vie. Est-ce qu'elle a poussé le mec, elle a rien fait. Elle n'avait pas l'air convaincue. Je sais. Mais je ne peux tout de même pas la bâillonner et la téléporter loin d'ici, non? Non. Ce serait une mauvaise idée. Très mauvaise. Le temps presse. Si tu as des préparatifs à faire, c'est le moment. Non, c'est bon, t'inquiète. Après, il sera trop tard. Je t'attendrai près des bateaux, parmi les soldats. Yen, que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Il s'est passé quelque chose? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il est possible qu'on ne survive pas. Nos chances sont minces. Eh bien, on fait face à Eridine et à l'élite de la chasse sauvage. On se dirige peut-être vers un nouveau Soden. Voire pire. Rien ne peut être pire que Soden. Écoute, quand tout sera fini, si on survit, je veux partir très loin. Et je voudrais que tu m'accompagnes. Où ça? N'importe où. À Povis, au-delà du monde des dragons, voire en Terricania. Aussi loin que possible des politiciens, des complots et de la haute société. Je te suivrai au bout du monde. C'est la réponse que j'espérais. File, Geralt. Avalar t'attend. Et ne te fais pas tuer, sorceleur.
Jusqu'au bout du monde, bébé.